Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, donc, conformément à ce que je vous avais dit, on va découvrir du coup le réseau mondial, entre guillemets, donc l'extérieur loco. Donc tout le monde est déjà sur l'escalier, tout le monde est déjà prêt à être virtualisé. Donc on va pouvoir, donc pour ça, du coup, pour aller du coup dans le réseau, il faut passer donc, par le numérique, mais donc par le territoire, loco. Et du coup, pour ça, on prendra le skid. Voilà, bon, pour ça pas besoin pour l'instant. Voilà, on va pouvoir du coup le virtualiser. Alors, je vais directement le virtualiser dans le PAL 5 territoire. Je vais commencer par le gars. Alors, transfert add. Transfert like. Scanner add. Scanner Elric. Virtualisation. Voilà. Maintenant, on go pour FI. Transfert à Vita. Transfert à Elric. Scanner à Vita. Virtualisation. Exactement, par contre, vous devez attaquer donc ça me laissera le temps pour le cas de. Pour que du coup, les gars récupèrent de la virtualisation, le garage skid. Voilà. Parce que si du coup on aurait un peu les améliorations aucun réplica, donc les réplicas pour rappel c'est des copies de locaux, hein, des territoires de locaux. Donc on va découvrir ça du coup dans une prochaine vidéo, pas forcément ce qui arrive en fait prochainement, mais enfin après celle-ci, ça se fera dans une vidéo. De toute façon, ça ne va pas plus longtemps, donc ça se fera assez rapidement. Voilà, donc ils vont pouvoir se mettre au niveau des plateformes. Donc, à l'état du coup, je prends la place du plot, parce que là, c'est l'habitude qui plaît de ce qu'il y a dans le dessin de nuit. Voilà, voilà. Une nuit. C'est parti pour ouvrir la fenêtre du skid. Voilà. Logiquement du coup. Ok, le map bizarrement ça ne concentre pas sur le skid. Faut que je me souvienne du nom de la fenêtre. Du coup là, on va la faire embarquer dans le skid. Voilà. Et c'est parti. Du coup là, on va partir du coup d'ici jusqu'au skid. Ouais, ça se téléporter, voilà. Du coup là, on va dans le skid, parce qu'elle m'a envoyé donc comment le skid, c'est ces petits trucs là en dessous, voilà. Les quatre trucs que vous voyez ici, voilà. C'est vraiment ça, le skid c'est vraiment ça du coup. Ici on a accès à tous les systèmes du skin, ici aussi, donc par exemple l'épingle, voilà, ça sert à l'enlèvement, désenlèvement dans le skin. Donc c'est ce qui se passe dans la fonctionnalité, là les états endommagés. Il y a aussi les propulseurs, les turbo hélices. Les turbo hélices ça sert à la numérique. Les rétrofreins c'est pour s'arrêter à la de la réplica, je crois. Non, plus ou moins, ok. Le bouclier, bah forcément, hein, ce qui est ici donc. L'axe principal, bon, de toute façon, découvrir et tout, il y a pas mal de systèmes. Donc on va faire un petit check-up pour s'assurer que tout est ok. Alors on va décoller. Tout est ok.
partie bah, du coup des arrivages. Donc cette fermée, du coup, elle va se fermer vu que le ski ne va plus être arrivé à quelque chose, il va être en vol. Alors, c'est parti. Sortie du garage. Et je vais pouvoir ouvrir un des tunnels. C'est tout est enchiffré parce qu'on n'est pas à côté d'elle donc c'est parti pour une petite fermette. J'ai fermé les fenêtres. Voilà. Du coup, on va plonger dans la mécanique. Actuellement, du coup, on est bien sur le ski, je pense. Voilà. J'aime beaucoup celui de là, du coup, du ski. Je crois que ça a apparu quelques fois dans les dessins animés. Je crois que c'est déjà apparu. Et du coup, on va plonger dans la mécanique. Ça va être. Entre guillemets, la représentation du réseau qui va apparaître. C'est parti, plonger. Et le réseau, voilà. Donc ce qu'on voit en bas, du coup, c'est le tonneras. Ça veut dire que plus ça bronze, plus que ça va prendre le plus que ça reste bon, voilà. Quand je vous montre, on va se déplacer un petit peu autour. Alors ça représente que je suis parti du réseau. Alors, je crois que le ski n'est pas représenté dessus. Donc ouais, il faut juste changer justement le pourcentage ici. Donc ce qui est en vert, c'est le hub. C'est des points de téléportation. Par exemple, je peux envoyer ce hub-ci. Voilà, à celui-ci par exemple. Il téléporte, il faut que je rentre certaines manipulations. Et la bonne question que vous voyez, c'est ce rouge. Celui-ci. Et là, actuellement, c'est des géants globes. Est-ce qu'il n'y a pas mis les deux zoomades? C'est vraiment des géants globes. Donc, voilà, c'est le droit de bord. Donc, ici, c'est. Donc, en quelque sorte, c'est la verrape, il y a du réseau. Donc, et ici, c'est la carte de la dynamique. C'est extrêmement vaste, je vous dis direct. On parcourt pas tout ça d'un coup. On va faire un petit tour, on va pas aller sur un... Je pense qu'on va aller sur un hub. On va aller sur un hub. Je vais essayer d'aller à un point inconnu, par exemple, je sais pas moi. On va prendre le hub juste ici. On va aller ici. On va essayer d'aller par exemple à un hub d'ici. Donc, alors, faut que je reprenne la main un petit peu sur ça. On va aller sur un hub qui est en retour là. Ça me paraît correct. Donc on va se focaliser dessus. Donc le pourcentage pour l'instant ça va. C'est pas trop élevé. Après c'est que pour tourner c'est un peu compliqué parce que la sensibilité est super élevée. Donc, je vais juste voir éventuellement si je peux baisser la sensibilité du skid. Retourne. Du coup je devrais taper encore un à la place. Je devrais taper du coup skid point cap, enfin toutes les commandes de toute façon qui est ici. Voilà, dans ce qui point 4, quelque chose. En plus, je préfère comme en fait, parce que c'est plus rapide que... Oh, c'est bien précis, mais... Voilà. Donc, on va pouvoir s'aligner avec le hub. Il va falloir que je tape une petite commande que j'ai oublié, parce que je prends pas toujours le skid. Si c'est pas qui c'est à ce moment-là.
Ok, c'est bon. Donc, zéro deux zéro sept un zéro zéro neuf un. Bon. C'est parti du coup pour les régions inconnues parce que ben, je connais pas du tout ça. En fait, pour l'instant, il n'y a aucun répliqué de découvert. Le seul ici qui a marqué découvert, donc le seul lien virtuel de découvert, c'est Loco. Loco qui est juste ici. Donc, tu vois, Loco il y a 4 heures de découvert parce que dans le radar, on a vu 4 à côté de Loco. Donc, ça sera pratique pour l'air. Du coup, c'est parti pour emprunter ce hub. Du coup c'est bon. Oh putain, pourquoi le pourcentage par contre c'est important. J'ai intérêt de faire très attention. On va aller au bas, je pense qu'on va se téléporter encore avant d'aller là-bas. Ouais. Ah bah non, je vois pas ça moi. Attends, mais il va falloir qu'il me change de cap. Oh, ça change bien le cap pour le coup là, ça. Les petits tours les petits piliers commencent à changer de couleur. Faut que je fasse attention sur la map si je veux pas des monstres apparaître, parce qu'il faut immédiatement quand j'ai des trajectoires. Ouais, 91%. Faut que je fasse attention. Attends, ils se sont téléportés sur la map. On va larguer la skid. C'est parti. Faut que je garde du coup la réflexe comme ça. 3 torpilles sur son monstre. Oh putain, ok ça. Ok, on a perdu le. Oh putain. D'accord, ok, on a perdu beaucoup là. Putain, on se prend pour la lune là. Touchons tous les navires compris les navires. C'est pas pratique ça. Oh putain. Ok. Ok, la rescue de seconde est à l'heure. Bon, on va essayer de continuer, mais par contre, il faudrait être bien en dedans. Parce que là. Ok, on va récupérer le bouclier, c'est bien. Ok, on avance. On va appeler la balle. On va du coup, ben, je pense qu'on va changer de secteur. On va aller. On va d'ici, là. Il a identifié, je pense, le hub juste ici. Voilà, il a identifié. C'est très pratique pour lancer la base, enfin, pour réussir à lancer en retard le hub. Ouais, je vais un petit peu réduire les fenêtres. Il va falloir que moi je suis là, je vais aller en arrière. Peut-être un petit peu se tourner le hub. Oh merde, ok, il va falloir que je fasse un check-up de skid parce que là il y a pas mal de composants qui sont dans la régénération. On va faire ça maintenant. C'est pas bon. Donc, le propulseur est en danger. Donc, la vitesse est rapide. Putain.
D'accord, ça sera. Oh, okay. Donc, ça sera dans la dynamique ou à la dynamique. Le déplacement rapide, les clés qui sont allongées. C'est ce qui sert à rentrer sur, ouais, sur la main virtuelle. On s'en moquait. On a 4 freins, ok, donc forcément ça balance le skid. L'axe principal est allongé. Stabilisateur allongé. Bon, le skid a récupéré le bouclier. Par contre, le skid a rien. Je pense que je vais quand même. Il n'y a pas une mission de ce de. Tiens, ça serait intéressant de voir si on a celui juste à côté. Avant que j'appelle. Non, a priori, non. Ils sont pas très compliqués à trouver vu qu'ils sont assez visibles actuellement. On a la portée qu'on voit. Hein. De notre portée, il n'y a rien du tout. Bon. On va s'occuper de. Planifier la route. Je pense que moi, qu'on va en fait de. Bon, on va aller par exemple, on va aller plus proche, on va se téléporter à notre endroit. Je pense qu'on va essayer de se rapprocher petit à petit avec eux. C'est quoi, on va pas pouvoir résister à beaucoup d'affrontements, je préfère dire. Ça me paraît bon. J'ai pas le temps de téléporter. Ah, ouais. Ouais, ici c'est 343. Parce que faut la pêche, je me téléporte au même endroit. Laisse-moi un peu. Ah non, j'ai mis des tirs. Quel con. Voilà. Et c'est bon, est-ce qu'il peut aller? Allô? Bon, en revanche, quand il restera en position, du coup, à la sortie du hip, ça risque de. La barrage à notre bouclier. Putain. On a encore dommage. Et puis en plus ça dommage bien. Ouais, ok. Ouais, et on va peut-être pas prendre beaucoup de haine. On va peut-être pas en prendre beaucoup. Bon, je pense qu'on va directement retourner le plus possible par le coup. Ok, on va prendre ce bloc pour retourner le coup, parce que là ça fait mal. C'est que ça m'arrange trop. Je peux pas me reprendre parce que là. Y'a pas mal de vue là, on a juste à côté. Non. Il se cache bien pour l'instant. Putain, c'est encore en train d'endommager. Ouais, ça il est manqué. Je peux pas vraiment prendre trop. Je pense qu'on va se téléporter. Je vais rentrer la route vers le Mako maintenant donc. C'est bon, bon. Et là, c'est encore là, j'ai bouclé. Ah, il a pas intérêt d'avoir la frappe, hein. Parce que. Oh putain, le jeu, ça. Oh putain, ça, tu vas en reprendre là. On est sorti en très mauvais endroit et le coup est juste ici, je crois. Oh, ok, c'est bon. Ok, c'est redescendu. Ok, c'est redescendu hyper bas, c'est bon. Bon, ça va, c'est. Et plus de bouclier, donc j'ai pas intérêt de me foirer. Ouais, arrête de tourner. Ici. Ouais, non. Voilà, bon, on va rectifier le cap pour le moment. Ok, ce qui est cap 90.
75. Parfait. On se dégage bien vers la course, parfait. Ah putain, vas-y, on prend encore plus la gueule. Ah non, on rentre dans le rituel, ouais. Alors là, c'est le code, donc on n'a pas besoin d'avoir la clé. La clé en règle, ça sert uniquement quand il faut décrypter l'entrée dans le monde. Pour ce mode d'entrée, là, on lui apprend qu'on a déjà le. On a déjà le mot de passe d'entrée, entre guillemets, donc. Pas de soucis. J'espère que le skin va réussir à se réparer, parce que là. Du coup, on se redirige vers le cinquième territoire. Si j'arrive dans le tour, est-ce qu'il y a moyen que le skip puisse un petit peu sur la journée ou pas? Ce serait intéressant de savoir ça. Parce que le principal, c'est que c'est l'axe principal qui passe par la main. Ouais. C'est ici là. Donc on essaie de s'arrêter dans le tour. Bon, je pense qu'on a la passion. Donc allez. Voilà, donc quoi, on a encore le tour. On va pouvoir s'arrêter. Voilà. Ouais, la composante se recharge, ça c'est bien ça. Peut-être qu'on va pouvoir repartir sur le coup. Je vais faire débarquer ouais, j'imagine qu'il y a des monstres qui vont arriver. Je vais prendre un risque. Du coup, je suis en débarquant. Hein. Ah, merde. C'est bon. Salut. Attends, ça indique que le skip est automatiquement configuré pour faire. D'accord. Hein. Pour débarquer tous les collègues. C'est bon. Bon, est-ce qu'il y a un skip là? Ah, oui, d'accord. L'axe principal, c'est bien, ça c'est cool. L'axe principal à réparer, ça c'est cool. Je pense qu'on va refaire à nouveau une sortie là du coup. Ok, la réalise. Quand ça réduit ça? On va savoir. Alors, oui, pour savoir qu'il y a une sortie, on va faire un tour du monde rituel, du territoire, ce qui peut prendre un peu de temps. Mais soit directement. On va aller sur la partie des monstres pour savoir si on a. Alors. J'ai pas activé le tour. Je pensais qu'il faudrait activer le tour pour ne pas risquer de mettre pas les en fait. Je pense qu'on est directement en train de puiser l'énergie du skin. Ah, c'est bien, oh putain, c'est bien ça. C'est dit que. Ah, bien, oh putain, on a récupéré tous les boucliers, c'est cool ça. Donc ça veut dire que si on trouve un réplicant pour pouvoir recharger le skin depuis là-bas, c'est génial. C'est un peu une station d'essence, c'est un garage quoi, en quelque sorte. Enfin, ça, c'est une station d'essence virtuelle quoi. Là, du coup, c'est les genus qui font les genus qui sont dessus. On va éclairer un skid, c'est ok.
tant qu'il n'y a pas de méga tank qui arrive, tout est ok. Ce qui peut poser problème en revanche sur les méga tanks, quand même. Non. Mais du coup, on va pas capturer le cobalt vu que ils sont tous rassemblés. Oh, la triche Putain, ça pas de temps. Putain, pas de temps. Non, on réduit. Non, tu vas pas réduire. Donc, on va pas perdre de temps parce que là, on est en train de puiser les. Du coup, on essaie de granatifier l'état. Donc, le granatifier, c'est. En fait, c'est contre. C'est facile de contrôler l'état, en fait. C'est là. Le passé n'était pas si rapide. Là, on fait 8 à 1 quart. Donc, logiquement, il est temps de votre cœur. Ah, par contre, il y a un diatome pour manger où? Ok, bon, vous allez tous récupérer le tank. Et après, on se casse. C'est simple, le méga tank ne doit pas atteindre le skin. C'est aussi simple que ça. Bon, j'en vais tout avec dessus. Alors, le skin, il est pas fragile. Mais... Super, je répare le skin et puis après, il va revenir là. C'est bon. Retour. Donc, on va retourner auprès du skin. Il y a 14 qui arrive, donc. Parce qu'il faut que j'ai le temps de le mettre sur le pod. Les emplacements de pour les retransférer dans le skid. Pourquoi j'ai mis les yeux? J'étais en train de crever. Donc c'est bon. C'est à la main. Donc avant de tourner l'approche, c'est bon. Je peux aller dans le skid. Voilà. C'est bon. C'est quoi ça? Des blocs? Bon, ça, c'est pas ça qui va poser problème. Hein. Bon, dommage. Bon, je pense qu'on peut repartir dans le même mec. On va faire juste un petit check-up. Voilà, ça va. C'est parfait ça. Forcément le tour. Voilà. Direction de Nick. Mais cette fois-ci, on va voir s'il n'y a pas de. On va aller, je pense, juste ici. Voilà, on va aller bord de. Dans le réseau de la map. De ce qui affiche en tout cas sur la map plongée. Bon, je pense pas qu'on peut repérer indéfiniment, hein. Mais bon, après, non, je confirme, on peut pas repérer indéfiniment, je confirme. Oui, on n'a pas récupéré toutes ces torpilles. Donc, on va aller. Donc on va aller au cap, ce qui est le cap 180. Voilà. Bon, ça prend du temps, mais là c'est beaucoup plus précis. Ouais, c'est carrément précis là. Alors. Et là du coup ça va pas déranger un skid, parce qu'on va réparer le coup d'accès principal qui fait en fait que la position du skid peut changer. On a peut-être vu, mais la position du skid c'est pas forcément la même. Entre la vie de la mec ou quand elle est sur le coin et quand elle est dans la hub. De toute façon, vous allez voir là, la position horizontale et la position verticale. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà ici?
C'est bon. Tu peux aller. Bon. T'en as pas de rôle ici? Non, non. Attends, on va aller en train du coup. On va littéralement faire le tour du coup. C'est faux. Je vais me balader sur le skid, ce sera plus simple. Voilà. La vitesse maximum. C'est le plus rapidement possible avec le. Et là, ben, avec les monstres du parc. Vous n'avez pas bien les effets. Hein. Comme vous pouvez vous en douter. Allez. Vite, 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 vite. On va sortir de on va sélectionner ici point route, c'est bon, le danger aura descendu, tout simple hein. Donc je vais regarder pendant qu'il sera en position. Non, il n'y a rien du tout. Non, franchement c'est. Il n'y a que dalle. On va aller du coup juste ici. Allez, 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 allez. Ouais. Voilà. Et pendant qu'il est là, on va aller dans le tour. Bon, c'est à eux qui m'ont mis, c'est à eux qui m'ont mis. Ah mais dis donc, y'a rien du tout. Non, non, y'a rien du tout, hein, c'est... Bon, on va pas emprunter ça n'importe où, sinon on va être n'importe où. On va aller ici. J'ai un bon pressentiment ici. Alors, laisse-moi par route. 64-64. Moins 07-03. Petit tour par le coin, de toute façon. On prête la main. Ah bah je pensais que c'était un monde virtuel. Oh putain, nous allons là-bas par contre. Là. Ouais, on va aller au truc juste là-bas. Ouais, je crois qu'on vraiment n'apprécie pas trop notre petite virée. Vite changer de position. Ah non putain, j'espère qu'on est en putain plus abandonné. Hein. Il y a un beau petit monde. Bordage. On va aller rendre la torpille. Voilà. Sur son point de vue. Oh putain, ouais, là, ça a carrément tué lui. Oh putain, mais si ça m'a. Je vais pas kiffer si ça commence à faire ça à chaque fois. Ok. Il y a plus de dégâts contre les congres. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Quoi?
ça lui enlevait tout son bouclier d'un coup. Ah oui, ça décolle pas du tout, c'est vraiment... D'accord, ok. Ah ben, vu que ça redescend à fond, je pense que je vais aller plutôt m'aventurer encore plus loin. Est-ce que l'axe principal n'est pas endommagé? Il n'y a que les canaux qui sont endommagés, ce qui ne devrait pas trop déranger. Bon, ça m'alertera, mais c'est vrai. Il y a du souffle. On va lancer l'aventure sur le hub à droite. Cap au 315. Cap au 270. Ok, donc cap au 300. 295, on va dire. Parfait. Pile poil. Alors, on va pas forcément prendre ce bois, mais c'est juste au cas où il y aura le pourcentage de rentrer trop, il faudra que je prenne un pour partir de la zone. On va aller donc. Et tout, c'est... on va prendre ça là. Ouais. Alors. Alors, 0048.2921. Go. Pas de réplica. Ok. Bah, du coup, on va se diriger vers le coma maintenant. Faudra prendre sur la gauche, alors je pense qu'il va se remettre correctement. Ok, bon, du coup, on va aller sur. Je dirais. Attends, non. Cap au 200. Cap au 180, du coup. Ouais. On n'a pas pu prendre devant, mais on devrait voir à l'intérieur. On va aller à fond le ballon et pour l'instant j'essaie de voir un petit peu si je mets des répliques sur la route. De toute façon j'ai pas envoyé la réussite. Voilà, là c'est de quoi. Donc c'est à ça qu'on ressemble à la réplica. Là on va voir c'est de quoi vu que ça correspond au point orange qu'il y a ici. C'est rare qu'il y ait un coup, enfin que les gens soient dans le coup. On n'est pas sur la safe zone. On va pas retourner sur le coup maintenant, j'essaie d'en continuer encore un petit tour. Alors, ici, on n'est pas encore ici. Voilà, on est plus proche. Map route. Non, que j'ai déjà. Oui, j'ai bien tiré. Bon, est-ce que j'ai repéré ici? Non, donc, on a déjà repéré.
réplique là-bas. On a fait un petit tour juste à côté, donc on n'a pas une distance d'affichage de fou, hein. Mais j'ai pas déjà vu. Bon, faut espérer qu'on trouve ça, ce qui est ici. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réplicas, hein. Ça, c'est sûr. Ne pas douter. Est-ce que ça va monter? Oh putain, ça va descendre. Ça ne redescend pas, on va se faire bouffer. Bah... Ah d'accord, ok. Alors, ça va même pas de remettre en position, d'accord. Ce qui est bien, c'est que si on réussit le combat, on aura la possibilité de... Ça fera déjà un monstre en main. Il va déjà attaquer déjà ce monstre là. Voilà. Donc ce principal c'est ok ou... Oh merde. Voilà, ce principal c'est pas ok. Donc on va avoir des retours sur le coup pour réparer. D'accord, j'ai plus de torpilles, c'est génial. Juste là. J'ai bien là. Le problème, c'est qu'on a pris un coup de la turbo-hélice, donc le déplacement est beaucoup moins rapide. Donc on doit résister logiquement à la ouais, ça va faire pas un bouclier, mais il tiendra le coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un appliquant là? Putain, mais ça évite des chimes, les dents. Plus il y a un appliqueur, plus je pourrais enregistrer un skip de main. Et je pourrais enregistrer pour la prochaine fois, mais là... C'est un rêve qu'il a remarqué. Oh, en même temps, là... Oh là, j'ai validé. Attends, j'aurais pas un arc pour que je puisse... ma gestion automatique de la rotation. Donc, si j'ai la rotation habilité, ça va bien, j'arrive. C'est de quoi là? C'est de quoi là? Ok, j'ai plus de bouclier. Donc, pour du coup, se tourner dans le coup, skin cap au 270, je pense, et encore. Parfait, presque.
pour 280. Parfait. Go. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai la vidéo? 45 minutes. On va s'arrêter là. C'est con qu'on n'ait pas trouvé l'application. Je suis plutôt déçu. Donc on va quand même refaire un peu comme les skis d'un. Au garage ski, mais ça, je suis quand même déçu de ne pas avoir réussi à trouver un pick-up. Parce que c'est pas comme un où je peux pas de bouger la caméra là pour tout jusqu'au bout d'un break. Là, je suis obligé de suivre les skis en quelque sorte. Non, voilà. C'est pas là que se trouve l'entrée, donc on va pas là. Ah merde. Quand j'ai tourné dans le range par contre, ça, c'est un truc de dingue. Ouais, on n'a pas beaucoup fouillé. Je pense que... Ah non, si je continue la vidéo, c'est encore trop long. Ça m'aurait arrangé de... J'imagine que les monstres seront encore là. On va aller en tour 10. Quoi, on va encore en tour 1 qui est là-bas, et encore un autre qui est là-bas, putain. C'est les deux blocs là. C'est les deux blocs. Il y en a qui sont patients. J'ai envoyé du coup à la couleur d'air, donc il commence à attaquer le skid. On sent que les deux autres ne peuvent pas défendre le skid. Le problème c'est que je préfère m'occuper d'eux, hein, qui a aussi 3400 qui arrive, une juste plus. Non, non. Je préfère m'occuper d'un monstre en direct. Le gosse a le skid. On va pouvoir faire de la rappel. Du raisin. Alors, il y a rapidement, quoi. Débarquement. Le temps que le skid s'en va, et le normal qui est avec. Je vais essayer d'affronter le bloc. Je vais regarder là, on va faire AD. Et vite les frelons. Je pensais qu'il était efficace contre Taylor, mec. Mais qu'est-ce qu'il faut, lui? Bah, on va voir, hein. Ouais, du coup, on est en train de faire des conseils, du coup, là. Ah, bah, ça va. Ouais, putain, il y a pas de son arrière, là, tu m'entends. Putain, il est où, le mec? Ah, d'accord, c'est parce qu'il est trop occupé à l'aide, d'accord.
Vite. Putain, fais chier. Ah non, c'est parce que je dirais que c'est pas grand aussi. Après ça, j'ai pas pris mes déplacements avant de rien, j'ai pas besoin de retour de combattant, mais. Putain. Oh, capable. Bon, la tank. Non, je garde la tank. Je vais envoyer. Et toi, t'y vas cette fois-ci, putain. Tu as attendu parce que tu peux aller. Attends, ok, je suis pas avance. Voilà. Et le mec, ça va. Ça va, ok. Bon, du coup, pas de retour au ski. T'es un peu sur la défensive quand ça sort sur le cours de la code, mais c'était pas dans le champ. Mais là, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fout? Toi, on a pété un bras ou quoi? D'accord, ok, il est pas. Tu retournes au niveau du skid, on va aller au skid et puis je attends, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que... What? Putain, ils sont pas très bons. Ok, ok, attendez, c'est un des bons du jeu. Enfin, je sais pas, attends, j'ai perdu le skid. Je vais peut-être passer le bug là, je vais voir si ça se trouve la prochaine fois. Deux blocs, ok. D'accord, qui est perdu pour toujours, d'accord. Bon, moi je pensais pas que ça se termine avec un seul match. Est-ce qu'attends, du coup ça passe à l'escalade ou quoi? Je parie. Bon, ça va, au moins j'ai récupéré mon véhicule. Oh, plus sérieusement, putain, là, je les ai pas vus. Attends. Je vais lancer l'escalier. Attends, je suis dégoûté, je les ai pas vus, attends. De toute façon, on sera parti, ça c'est sûr. Du coup, je l'ai récupéré. Attends, c'est un peu crazy comme si je parlais quoi, conquérir définitivement comme ça. C'est l'escalier. Ah, j'y crois, il y a quand même. Alors que lui, non, non. Putain, avec le j'y crois pas. Ouais, on passe là-bas. Hein. Oh, tout le beau. Je vais aller en skid au garage quand même. Ouais, je vais vérifier du coup sur le changeog parce que le changeog c'est là où du coup le créateur tient compte du coup des futurs ajouts, donc que ce soit par rapport au patch ou aux futures versions. C'est vrai.
Voilà. Tu devrais pas lancer l'émission. Et même pas de vraiment compliqué en plus. Parce que la critique, ça va donner rien. Parce que si leur recul est détruit, ils seront permis définitivement. Du coup, entre les rangs, c'est bon. Je suis un peu dégoûté. Je pense qu'après la vidéo, du coup, j'en ai rien parce qu'il y a bugué exactement. Ouais, je vais peut-être pas essayer de retour à passer parce que si je peux aller par là, je vais peut-être essayer. A priori, si c'est perdu pour toujours, c'est que c'est perdu pour toi. Donc, bon, en espérant que ça vous aura pas. Ça vous aura plu, etc. La fin de la vidéo. Bon, plus du coup la prochaine. Bon, du coup, on verra pas. Je pense pas qu'on continuera à refaire avec eux. Je pense que ça sera surtout dans la première session pour la prochaine vidéo sur le jeu. A plus donc, en espérant que ça nous aura plu. Retour dans le passé.